Bon, aujourd'hui, petite presto. Désolé, j'ai le soleil dans le dos. Dans le bassin minier, on va réaliser des photos, des vidéos pour un prestataire, pour un aménagement de lotissement au niveau du bassin minier. Alors, aujourd'hui, ça monte. Donc normalement, on va être bientôt à découvert. Je vais montrer le lieu. Mais ça grimpe vraiment beaucoup. Donc je vous laisse profiter du paysage. Alors normalement, c'est là-haut. Très beau site. Je suis déjà venu en repérage. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer d'accélérer le pas. Normalement, il y a un petit quart d'heure de montée pour arriver au premier plateau. Et après, on verra en fonction des photos que je vais faire, savoir si la qualité est là. Autrement, je devrais monter tout en haut des deux terrines pour faire des plus belles photos. Sachant que, bien sûr, il y a une autorisation. On est professionnel, on ne fait pas ça à l'arrache. Désolé pour le soleil. Ah, là, on arrive sur le secteur où c'est dévoilé. Alors, je vais vous montrer. On va aller sur la vue panoramique. Donc voilà, c'est le début de la montée. Ça va pour ceux qui veulent monter, c'est goudronné. Il y a deux possibilités, il y a deux chemins. Il y a un chemin goudronné et non goudronné. Pas mal, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, on a 15 km/h de vent, normalement ça devrait le faire. Alors voilà un des premiers spots, on voit tout en haut. C'est le premier, et voici le deuxième. Nous avons des, je sais pas, des oiseaux sur le haut qui volent, stationnaires. Condition ciel très bleu. Et oui, on est dans le nord. Connaissent pas, désolé, je vais mettre dans le soleil. Hop. Alors ça, c'est une ancienne montée, ce que j'avais vu, c'est les anciens rails où ils montaient jusqu'en haut du terril pour déposer la matière quand ils creusaient dans les galeries. Donc regardez, on est bien sur le bassin minier. Là-bas dans le fond, on a des chevalets. Et là-bas aussi. Allez, on continue notre petit périple.
Ça va, en plus, il n'y a personne. Il y a quelques coureurs. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à courir quand il fait chaud comme ça. Déjà là, on est à 18-20 degrés. C'est déjà pas mal. Il y a un petit peu de vent, pas beaucoup, ça rafraîchit. Donc en plus, monter avec le matériel sur le dos. Le sac, il est bien chargé. Ça tire dans les cuisses. Du sport en même temps. Et ouais. Ce que je vais faire, je vais couper et je remettrai une nouvelle vidéo en route.